Ce soir pour commémorer un tout petit peu à l'avance le 36e anniversaire du printemps berbère de 80. Et à cette occasion, on a décidé de faire ce débat sur la place des langues et des identités dans les textes fondamentaux qui fondent l'Algérie, l'État algérien, la nation algérienne. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on veut essayer de voir un peu tout le chemin qui a été fait depuis 80, qui n'était qu'une étape dans un cheminement qui vient de beaucoup plus loin. Et cette année est une année particulière, évidemment. On peut l'appeler peut-être l'année du grand leurre, si on voulait lui donner un peu un nom comme ça. Pourquoi ? Parce que, avec, comme vous le savez, l'inscription de la langue berbère dans la Constitution cette année, on croyait qu'un but était atteint, mais en fait, la question est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ce qu'on va essayer de voir, justement, un double niveau. D'abord, au niveau juridique, est-ce que ce n'est pas un leurre ? On va essayer de le voir, notamment avec Nourdine Saadi, que vous connaissez, qui, en plus de sa casquette d'écrivain, est professeur de droit. Donc, il connaît un tout petit peu les questions relatives à la Constitution. Et puis, c'est aussi une forme d'arnaque politique. C'est ce qu'on va voir avec Hani Saadi, qui lui aussi est professeur de mathématiques, mais qui est un militant de la cause berbère depuis de très très longues années, et qui aussi réfléchit beaucoup à ces questions. Donc on va commencer par essayer de voir cette question, série un certain nombre de questions. Et ma première question, on va à Nourdine Saadi, à qui j'ai envie de poser cette question, la question suivante. En termes juridiques, qu'est-ce qui cloche dans cet article 33 qui reconnaît officiel Tamazir ? Oui. C'est-à-dire, pour retourner ta question, ce qu'elle entend, enfin, je crois l'entendre ainsi, c'est en fait, qu'est-ce que cette constitution du 6 mars 2016, qui est la dernière constitution en date dont nous parlons, etc., qu'est-ce qu'elle apporte notamment sur la question des langues, et particulièrement sur le traitement de la question de Tamazight. Voilà, je crois que c'est... Voilà. Je crois qu'il faut d'abord dire que la Constitution, qui a été promulguée le 6 mars 2016 et qui a été adoptée par la loi constitutionnelle du 7 février 2016, a une très très large majorité, c'est assez rare d'ailleurs, 444 voix pour, 2 contre et seulement 16 abstentions de tout le Parlement, c'est-à-dire des deux chambres réunies, est une constitution qui va tout de suite provoquer sur cette question dont nous débattons, sur laquelle je reviendrai, une controverse, si ce n'est une polémique. Il y a constitutionnalisation à la lettre de Tamazight comme langue à la fois nationale et officielle, et pourtant, malgré cette formulation dont nous allons voir qu'elle est fort ambiguë, cela ne traduit pas tout à fait, pour ceux en tout cas qui ont lutté depuis très longtemps pour l'officialisation de cette question, c'est-à-dire pour son inscription dans la Constitution, cela ne traduit pas tout à fait une réalité. Pour comprendre cela, je crois qu'il faut faire quand même un détour. D'abord, un premier détour très rapide sur la nature de cette Constitution et des constitutions algériennes en général. Ce qu'on constate, c'est que toutes les constitutions qui se sont succédées depuis celle de 1963 ont été des constitutions qui ont été terminées en quelque sorte par
des processus qui n'avaient rien à voir avec la Constitution. Et ça, on le mesure dans la manière dont les différents chefs d'État qui se sont succédés en Algérie ne l'ont jamais été dans une légalité constitutionnelle. Je rappelle très vite, évidemment, le premier président de l'Algérie indépendante, Ben Bella, 65, c'est un coup d'État. Boumediene, c'est évidemment la mort, décès naturel, etc. Et sa succession ne s'est pas opérée conformément à la Constitution. C'est le FLN qui réunit un congrès et qui va désigner, ce n'était qu'une couverture de ce que voulait l'armée, Chadli. On verra ensuite, évidemment, un coup d'État, Chadli, qui va conduire à la mise en place du... quand plus ou moins forcé à démissionner, ou avec son assentiment, qu'importe. Démissionne, met en place un HCE, c'est un véritable coup d'État, avec un nouveau pouvoir. Le président que l'on va nommer, c'est-à-dire faire désigner lui-même, sera assassiné, Boudiev, et je poursuis jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, introduit par cette force, disons-le pour le moment occulte, qui est le pouvoir. Bouteflika, il avoue lui-même le soir de sa première élection en 2009, je ne veux pas être un trois quarts de président. En fait, il va l'être pendant longtemps, et tout son règne, entre guillemets, c'est-à-dire tout le parcours de sa présidence, va être de, à la fois de se venger de ceux qui l'ont mis en place, et à la fois de prendre un pouvoir qui soit plus ou moins absolu, c'est-à-dire de ne plus dépendre de ceux qui l'ont désigné ici. C'est tout ce que nous savons de la vie politique algérienne. Mais lui-même, il va commencer par réviser la Constitution dans des dispositions qui ne lui permettaient pas de se reproduire. Parce que il va considérer que deux mandats, c'est pas assez, il en prendra un troisième, un quatrième, et il fera reviser la Constitution. Tout cela pour dire ceci, c'est que les constitutions, les révisions de la Constitution ne sont jamais, n'ont jamais été, en tout cas en Algérie, les conséquences d'une volonté populaire quelconque. C'est ce que l'on appelle dans les techniques du droit constitutionnel un octroi. C'est un pouvoir qui va octroyer une constitution, un peuple. Dire cela pour ta question, etc., c'est quand même d'abord affirmer que la constitutionnalisation de Tamazight dans la constitution de 2016 ne correspond pas à une volonté populaire, elle ne correspond pas à ce qu'aurait donné, par exemple, une assemblée constituante qui aurait discuté d'un compromis entre les langues, les référents culturels, etc. C'est le pouvoir qui va donner une telle assertion. Et le problème est de savoir pourquoi. On se rend compte, mais je crois que... Hand est un peu plus qualifié que moi, parce qu'il a déjà travaillé sur ces questions, qu'il y a eu toute une évolution, et que ces évolutions correspondent à quelque chose d'assez particulier, intéressant. C'est que l'objet particulier de notre débat, c'est que ce n'est pas une constitution établie, voulue, formulée par des rapports de force ou du compromis au sein de la société, c'est le pouvoir qui va s'institutionnaliser, et donc institutionnaliser dans la forme qu'il va revêtir, et qui va être vêtu, que l'on va voir, la question des langues. Et donc à partir de là, c'est ce que l'on appelle, en tout cas, pardon du mot, il n'est pas grossier, c'est un pouvoir déontique, c'est-à-dire un pouvoir qui va décider pour la société de ce que doit être la norme. Et ça a été constant dans l'histoire de l'Algérie. Ce que je pense, compte tenu de ses travaux, Hand va faire remonter jusqu'à la crise berbériste de 1949. Mais ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Et donc on arrive dans cette situation
c'est que la Constitution de 96, de 2016, pardon, va essayer de répondre à quelque chose qui est en réalité ce que Jacques Berck avait appelé pour l'Algérie, en tout cas j'avais trouvé la formule très très juste, la guerre des langues. Il disait, en Algérie, il est très difficile d'être dans son langage. Pourquoi ? Parce que l'Algérie ne vit qu'à travers un certain nombre de guerres des langues. Pour dire vite, vous avez l'arabe versus, c'est-à-dire contre, vous avez le berbère, vous avez l'arabe et versus contre, vous avez le français, vous avez l'arabe classique et versus contre, vous avez tout ce que l'on appelle l'arabe populaire, et au milieu de tout ça, il n'y a jamais eu une volonté, quelque part, de faire correspondre la réalité historique et sociologique de l'Algérie à une réalité qui soit juridique, c'est-à-dire qui soit exprimée officiellement dans une constitution. Je ne parle pas du français, parce que c'est une situation encore plus complexe, parce que le français, évidemment, n'a aucun statut officiel en Algérie, sauf qu'il est toujours particularisé par cette formule, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on ne parle pas de langue étrangère, on parle de la langue étrangère. C'est-à-dire, en réalité, la langue étrangère, c'est la langue qui fait fonctionner les institutions de l'État, qui fait fonctionner la société, etc. Au point où, comme chacun sait, l'Algérie est le premier pays francophone, en dehors de la France, etc., qui n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est un des paradoxes algériens. Et donc, toutes les constitutions qui se sont succédées n'ont jamais accordé la moindre référence, évidemment, au français. C'est le non-dit, c'est le tabou absolu, etc. En réalité, on a avancé, je vais aller rapidement, on avançait dans un système de vases communicants. La proclamation 63 de l'arabe comme langue nationale fonctionnait comme la négation de toute autre langue, que ce soit du berbère ou des berbères, si vous voulez, comme vous voulez, que ce soit de l'arabe parlé, etc. Et cette officialité de la langue arabe correspondait à une certaine déontique du mouvement national, dont on peut repérer la trace, évidemment, dans cette formule de Ben Badis, l'arabe est ma langue, l'islam est ma religion, etc., et que l'on va traduire en empruntant le terme, d'ailleurs, au bassiste, hein, les Tawabet, c'est-à-dire les constantes. Le pays, tout pays, aurait donc des constantes idéologiques et culturelles qui vont fonder ensuite la Constitution. Et on va voir ces constantes évoluer. Évoluer à partir de quoi ? Non pas à partir de l'évolution idéologique ou culturelle de ceux qui nous dirigent, mais évoluer en fonction de troubles, de rapports de force, de luttes sur le terrain et de la violence politique. Si vous prenez, mais je crois que Han va le faire très, très bien, mais si vous prenez la différence entre la charte nationale et la charte nationale révisée de Chadli, ben, il y a un petit glissement, tout à coup on parle de Tamazight. Et au fur et à mesure qu'il y a une évolution des luttes en Algérie, et surtout depuis le printemps berbère de 80, plus la question de Tamazight va trouver une résonance dans les textes officiels en Algérie. Et c'est là que se pose le problème, je vais venir tout de suite à ta question là, c'est que cela se fait toujours avec une volonté de traitement juridique de la question de telle manière à ce que cela s'inscrive dans ce qu'on appelle la fausse égalité. Et la constitution de 2016 est tout à fait révélatrice de ça. Tamazight est érigée en langue officielle. Mais elle est érigée en langue officielle également. Et également est une formule par laquelle on assimile à ce que ce serait l'arabe.
Mais en fait, non. Parce que l'arabe est, c'est dans les termes de la Constitution, est la langue officielle de l'État. Tandis que le berbère, c'est la langue officielle tout court. Alors on se demande de quoi elle est officielle. De plus, l'arabe est la langue officielle de l'État, elle est consacrée, etc. Le berbère, il va être langue officielle à la faveur de tout ce que l'académie, que l'on propose, etc., va apporter comme réflexion par ses savants, ses linguistes, etc., etc. C'est-à-dire une officialité en devenir. Et qui va fixer ce devenir ? C'est là où le droit est toujours, comme dit un de mes maîtres, le gendre. Le droit ne sert toujours qu'à ceux qui savent l'utiliser. Et bien, c'est qu'on va dire, et bien, il y aura une loi organique qui définira tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une loi organique dans la nomenclature des lois et dans le droit en général, dans le droit constitutionnel? C'est une loi qui organise le pouvoir public. Elle n'est pas dans la Constitution, mais elle va avoir valeur constitutionnelle. Ça signifie qu'à tout moment, le Parlement, dans les termes politiques où nous nous situons, c'est-à-dire l'Algérie, le pouvoir va déterminer petit à petit ce qu'il peut en faire, ce qu'il ne peut pas en faire. Et bien plus grave, et je termine par là, il y a une différence de traitement fondamentale entre l'arabe comme langue nationale et officielle et le berbère comme langue nationale et officielle. Cette différence fondamentale tient en ceci, qui n'est peut-être pas remarquable au premier degré, mais qu'un juriste ne peut pas ne pas voir. Il y a, dans toute constitution, ce que le langage juridique appelle, si vous voulez, un certain nombre de dispositions qui sont insusceptibles de révision, et qu'on appelle des principes de supranationalité. Dans toute constitution, il est dit in fine, c'est-à-dire à la fin du texte constitutionnel, qu'il ne peut y avoir de révision constitutionnelle sur telle matière, telle matière, telle matière. Or, dans la Constitution de 2016, et pour en rester au texte lui-même que j'ai noté ici devant mes yeux, il y a un certain nombre de dispositions qui sont insusceptibles de révision, donc qui sont des principes constitutionnels, supraconstitutionnels, pardon, parmi lesquels la langue arabe comme langue officielle et nationale. Mais il n'y a absolument pas de berbère. Ce qui signifie qu'on l'officialise tout en laissant la porte ouverte à une révision quelconque par laquelle cette disposition ne serait plus dans le texte. Et on a évidemment, à partir de là, une reconnaissance différenciée. Les conclusions politiques, chacun se les tire comme il veut, évidemment, mais au moins que l'on ait un regard à la fois critique et scientifiquement objectif, ce que dit cette Constitution sur la question des langues, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je m'adresse à la fois aux militants, mais aussi à l'intellectuel qui a beaucoup réfléchi à cette question, à cette problématique. Ce qui arrive là, cette reconnaissance mitigée, cette reconnaissance qui n'en est pas une, est-ce que ça paraît être une renaissance pour Tamazight ou carrément un enterrement? Je ne sais pas si la réponse que j'apporterai sera la bonne. En tout cas, ta question, c'est la bonne. C'est absolument la question qui se pose, et elle se pose exactement en ces termes-là. J'ai envie de commencer par une boutade que j'ai lue dans un papier, dans un texte de Benaïssa qui n'est pas encore publié. Et qui dit, quand on parle de Tamazight, langue officielle en Algérie,
On en parle donc 55 ans après l'indépendance, ça veut dire que pendant 55 ans, on a nié, on a réprimé Tamazight. Et c'est quand même quelque chose d'aberrant, surtout quand on sait que l'idéologie effectivement du FLN, comme l'a souligné Nordine, ces fameuses constantes nationales qui ont été empruntées, si on prend ça comme critère, au niveau linguistique, la seule constante nationale en Afrique du Nord, c'est bien Tamazight. Donc on ne voit pas au nom de quoi, au nom de ces principes qui sont censés inspirer la politique officielle, on a procédé à la répression et au déni de Tamazight. Je crois que toute cette question est liée à des conflits idéologiques très forts qui ont travaillé l'Afrique du Nord depuis plus d'un siècle. Le 19e et le 20e siècle, d'une manière générale, ont été un moment d'affrontement idéologique. Et concernant cette question-là, cette question identitaire et culturelle, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'un mouvement de libération nationale n'a pas réglé la question de l'identité nationale? Parce que le problème est là, qu'on attende plus de 50 ans après l'indépendance nationale pour enfin reconnaître quelque chose qui devrait aller de soi, que Tamazight est une langue autochtone et qu'à ce titre, elle a le droit d'être officielle et nationale, etc. Ça pose beaucoup de questions. Et évidemment, du coup, on a envie de regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé, comment ce processus a-t-il été possible, et la notion d'Algérie elle-même, d'où vient-elle? C'est une question un peu taboue. On a longtemps considéré que le Deir Hussein représentait l'État algérien. Est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, j'ai fait un petit papier quand il a rendu les clés symboliquement, quand Chirac est venu apporter la clé des villes de l'île d'Alger que le Dey avait donné au général qui a débarqué. J'ai dit que c'était le passage du relais. En aucune façon, un instrument de la souveraineté nationale. La meilleure preuve que le Dey ne représentait en aucun cas le peuple algérien, c'est qu'aussitôt les Français débarqués, il a été rejoint de sa mère patrie. Et il n'est pas resté là. Il a négocié son départ, pas exactement de la mère patrie, parce qu'il n'était pas bien attendu chez lui, en fait. Il a été à Naples. Mais en tout cas, la première chose qu'il a faite, c'est de dégager en négociant le trésor, les femmes qu'il allait pouvoir transporter. Donc le problème de la souveraineté, de l'identité en Algérie n'a jamais été très clair. Et pour aller vite, on peut prendre comme point de départ peut-être la naissance du mouvement national au sens moderne du terme, c'est-à-dire avec l'étoile nord-africaine. Et là, il y a eu déjà des frictions à ce niveau-là. Et les problèmes culturels n'étaient pas les problèmes dominants, en tout cas dans la revendication de l'étoile nord-africaine. C'est la fin du système colonial, etc. Mais quand même, dès le départ, l'étoile nord-africaine a revendiqué la langue arabe comme langue nationale. Alors, il faut se poser la question. Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré dans ma vie des gens qui étaient militants de l'étoile nord-africaine, des fondateurs de l'étoile nord-africaine. Et c'est une question qui les a longtemps travaillé. Pourquoi ils n'ont jamais posé cette question de manière explicite au grand jour, alors qu'ils en ont parlé entre eux? Une des raisons qui m'avait été donnée par, en tout cas, ce personnage que j'ai rencontré, c'est que l'étoile nord-africaine s'est formée à l'époque de la guerre du Rif et que ça les a beaucoup marqués. L'échec d'Abdelkrim les a beaucoup marqués. La République du Rif, qui est quand même la première tentative post-coloniale, le premier État, en tout cas qui a été proclamé République de la décolonisation, ça a été la République du Rif. Et sa dimension berbère l'a handicapé, bien qu'Abdelkrim ait fini par reconnaître la charia. Mais ça n'a pas suffisamment dédouané ses origines berbères, parce qu'il s'affirmait quand même berbère, au profit du sultan qui était, je cite Lyoté, un instrument aux mains de Lyoté. Mais lui, par contre, il avait toute la légitimité arabo-islamique que n'avait pas Abdelkrim. Et cela leur a servi de leçon. Et donc ils ont dit surtout pas ça, surtout pas cet isolement, ce rétrécissement qu'a connu Abdelkrim. Alors,
Il y a une autre raison, c'est qu'au même moment, on a connu le mouvement Nahda qui s'est développé au Moyen-Orient avec le réveil de l'islamisme, de l'arabo-islamisme. Et un certain nombre de personnalités ont été s'abreuver à ces sources et ont proposé, ont porté ce modèle en Afrique du Nord. Et c'est le cas évidemment du plus illustre d'entre eux, c'est-à-dire Abdelhamid Belbadis. Et c'est lui qui a proposé effectivement un modèle culturel qui a, à mon avis, fini par gagner. C'est celui-là qui s'était imposé au mouvement national. Cela peut paraître paradoxal, parce qu'Abdelhamid Belbadis, et si j'en crois Béchir Boumaza qui m'a appris ça dans un entretien, au départ, il était tout à fait radical quand, effectivement, sur ces questions identitaires, culturelles, pas de concession sur l'arabo-islamisme, mais il s'accommodait très bien de la présence de la France et du système colonial au niveau politique. À tel point que le modèle, et il faudrait lire El-Bassayer, je n'ai malheureusement pas eu le numéro 1 de El-Bassayer, le modèle que Belbadis a défendu, c'était l'apartheid. Pour lui, le modèle idéal, donc c'est une communauté musulmane qui vive sa religion, qui vive sa langue arabe, sans intervention de la France, mais qui s'accommodait très bien donc, au niveau politique de la domination française. Et c'est les militants du PPA qui ont interpellé Belbadis pour qu'il corrige un peu par la suite son propos. Mais il n'a jamais cédé là-dessus. Et au même moment, il y a eu une tentative qui a été faite par celle dont on a parlé le plus, par un certain Hossein Lahmacht, qui a essayé de publier un livre qui défend l'identité berbère en langue grande, dans une histoire ancienne qui remonte jusqu'à l'Antiquité. Et il a cru bon, ce brave monsieur qui était instituteur, a dit, c'est à travers cette culture, cette identité que se réalisera le mieux la présence française en Algérie. Inutile de dire que c'était, évidemment, ça s'est passé au moment du Daïr berbère, donc ça vous donne un peu l'idée des débats qu'il y avait à l'époque, que ça a été un enterrement de première classe. Et les ulamas ont déclenché une lutte, mais absolument féroce, contre tout ce qui est berbère, de près ou de loin. Dans la littérature des ulamas, il y avait des tribunes qui étaient signées le jeune Kabyle, qui étaient des professions de foi pan-arabistes, mais absolument déviantes. Seule la signature était Kabyle. Tout le reste était la négation de la berbérité de manière violente. Et on a également un texte de Bachir Brahimi, qui a pris la succession de Belbadis, contre le fait qu'à un moment donné, on avait proposé de traduire les lois en arabe et en berbère. Il s'est élevé avec une violence inouïe, c'est dans le Bassayer, ça, le texte est traduit, je l'ai lu dans le détail, mais la violence du propos est absolument surprenante, c'était un texte qui a été publié en 48, contre cette officialisation, entre guillemets, du berbère. Il a dit, bon, le français, d'accord, l'arabe, ça va, mais pourquoi le berbère ? C'est destiné pour qui ? Pour les montagnards qui parlent le berbère, ils n'ont même pas d'électricité pour brancher leur transistor et écouter votre voix. Pour les gens qui sont à Alger, ils parlent le français, ils n'ont pas besoin qu'on leur traduise. Donc on nous fout la paix, l'arabe suffit pour nous, et il s'est donc déchaîné contre toute intrusion de la langue berbère dans l'espace public. Alors chacun connaît la crise de 49, je vais aller assez vite, et c'est le seul moment où un jeune groupe d'intellectuels à Alger, je ne parle pas de l'intervention d'Argid Alihia, de sa fameuse motion qu'il avait adoptée, mais je parle de la brochure d'Idi Louattani, où on a essayé de poser précisément, en termes rationnels, cette question identitaire.
Il y a eu un effort, bon, critiquable. Bon, le texte est évidemment marqué par la formation très à gauche, communisante de ces jeunes, mais il y a eu un effort vraiment intellectuel qui mérite d'être salué pour essayer de voir ce qu'était la nation algérienne et d'une manière générale, qu'est-ce qu'on appelle ce que l'on devait appeler nation. Est-ce que c'est une communauté de territoire, d'histoire, communauté linguistique, religieuse, raciale, et regarder tous ces critères-là de manière tout à fait sereine. Et là aussi, ce qui les a perdu, c'est qu'ils ont cité le modèle d'Israël. Ils ont dit que l'État d'Israël serait resté un État utopique s'il n'y avait pas eu cet ancrage dans Palestine, etc. Et à partir de là, on a dit « Ah ben voilà les vendus, voilà les sionistes, et voilà ». Et alors, on a brûlé cette radio, je le raconte, comment ils ont des militants. Alors pour le coup, ceux-là étaient des militants radicaux anticolonialistes. Ce n'était pas du tout dans la ligne d'Arjen Ahmad. Mais en fait, ils avaient évidemment évoqué cette dimension berbère, et leur mémoire a été fait aux protestations d'un mémoire que Messali Hadj devait soumettre à l'ONU, qui faisait démarrer l'histoire de l'Algérie à partir du 7e siècle. Donc l'Algérie, l'Afrique du Nord n'existait pas avant l'arrivée, la conquête arabe. Donc ce texte est intéressant, il n'a pas été diffusé, il n'a pas eu le temps, il a été accusé par une politique extrêmement violente, alors que dans la population, le chant Kalami Soumazir était chanté dans les fêtes, y compris dans les banlieues d'Alger, à Sidi Moussa, et j'ai eu le témoignage de Mohamed Qaran Khalifati, par exemple, qui a assisté au fameux meeting Oumsali de Ruisseau en 1936, quand il a pris une poignée de terre, cette terre n'est pas à vendre, c'est ça qui est resté dans les bouquins d'histoire, lui a retenu autre chose. Il a retenu la chose suivante, qu'il m'a raconté, qu'on ne trouve dans aucun livre d'histoire, c'est qu'il a entendu, à un moment donné, après Oumsali, celui qui présentait les prises de parole, les personnes qui allaient prendre la parole, qui a dit la chose suivante, après notre frère Oumsali, je vous présente Moussa Ouyalabah, qui est un des fondateurs de l'étoile nord-africaine, qui va vous parler dans notre langue nationale, le kabyle, et il a été acclamé par une clameur qui a traversé tout le stade. Donc ça n'était pas aussi ce berbère dans le monde militant, ça n'était dans le monde nationaliste, ça n'était pas cette dimension de collabo, de colonialisme qu'on a voulu à chaque fois agiter pour combattre le berbère. Effectivement, en tout cas pour les oulémas, l'équation était simple, c'est que tout ce qui était berbère était instrument de division au service du colonialisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sentaient, ils n'avaient pas de réponse à apporter à cette question. Et d'ailleurs, ils n'ont fait aucune place. C'est la négation et la guerre. Parce que l'arabo-islamisme devait être la seule référence identitaire. Il n'y avait pas de place pour le berbère. Et il développait cette idée comme étant, évidemment, d'où cette idée de Tawabat, de constante nationale, comme étant l'identité algérienne avant la colonisation. Or, avant cette autre invasion arabe, il y avait une identité qui était encore vivante. Et là, c'était comme un grain de sable dans le mécanisme, donc il fallait absolument écarter ça et étouffer ça. Alors je me suis intéressé de savoir ce qui était devenu après donc cette guerre, quand même, qui a agité notamment la Fédération de France, et je vous renvoie à un livre de Belhadda qui raconte comment il a fallu reconquérir dans une guerre à coups de poing qui a duré 18 mois, café par café, l'espace qui avait été perdu par la direction du PPA. Donc la reprise en main a été faite, et je me suis intéressé pour savoir comment dans les textes officiels, deux textes majeurs, que sont la proclamation de novembre 54 et du texte du FLN, donc, et la plateforme de la Soumam de 1956, comment cette question identitaire a été traitée. Alors, pour la plateforme, l'appel du 1er novembre de 54, c'est un texte évidemment qui a été rédigé en très petit comité, un peu sous la direction de Boudiaf, par un journaliste, mais qui n'a aucune façon été débattu, il n'y a pas eu d'échange. Mais d'emblée quand même, alors le texte de l'appel du 1er novembre fait appel à
réclame la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Donc là, on voit bien que c'est tout à fait dans la ligne qui a gagné en 1949. Mais aussitôt après, on réclame aussi le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession. Alors on ne sait pas très bien ce que signifient ces principes islamiques dans la mesure où toutes les confessions sont supposées avoir les mêmes droits. Bon, c'est un tract, ce n'est pas un document épais, hein, il y a deux pages dans la proclamation du 1er novembre. Et puis le caractère arabo-musulman est également réaffirmé quand le texte appelle à la réalisation de l'unité nord-africaine dans son cadre naturel arabo-musulman. Par ailleurs, on entend évidemment accorder tous leurs droits à la communauté des pieds noirs, les intérêts français culturels et économiques honnêtement acquis seront respectés, ainsi que les personnes et les familles. Les Français désirant rester en Algérie auront le choix entre leur nationalité et seront de fait considérés comme étrangers vis-à-vis des lois en vigueur ou opteront pour la nationalité algérienne et dans ce cas seront considérés comme tels en droit et en devoir. Voilà. C'est un texte où il y a pas mal de contradictions, mais en tout cas, il y a une affirmation de ces principes islamiques et de ce cadre arabo-musulman. Le mot berbère, naturellement, il est inexistant. Alors, qu'en est-il de la plateforme de la Soumam, qui, elle, a été adoptée deux années après le début de la guerre, donc en août 1956, et bon, nous savons tous qu'un pas normal, on a été l'architecte. Alors là, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est quelque chose d'assez surprenant parce qu'Abba Norman, c'est celui qui a rallié quand même les ulama en particulier. Il a réuni toutes les familles politiques algériennes. Et quand on lit le texte, c'est assez détonnant avec notamment cet appel du 1er novembre. Il n'y a à aucun moment de référence à la communauté arabe ou arabo-islamique. Il parle de l'union psychopolitique du peuple algérien, forgée et consolidée dans la lutte armée et qui est aujourd'hui une réalité historique. Cette union nationale, patriotique, anticolonialiste, constitue la base fondamentale et principale de la force politique et militaire de la résistance. Et il y a des tas de passages qui affirme, je cite celui-là, « La révolution algérienne n'a pas pour but de jeter à la mer les Algériens d'origine européenne, mais de détruire le joug colonial inhumain. La révolution algérienne n'est pas une guerre civile, ni une guerre de religion. La révolution algérienne veut conquérir l'indépendance nationale pour installer une république démocratique et sociale, garantissant une véritable égalité entre tous les citoyens d'une même patrie sans discrimination. » Et là, on veut bien croire le texte quand il dit sans discrimination, parce qu'après, il y a un appel à la communauté juive, de manière explicite, assez long, qui dit aux juifs, vous avez droit à votre part de bonheur dans l'Algérie indépendante. Et il regrette que le grand rabbin d'Algérie n'ait pas pris parti pour la guerre des libérations nationales, comme l'avait fait Duval, voilà, en particulier. Mais il y a en tout cas un très long appel à la communauté juive dans cette plateforme de la Soubam. Et sur la question de la religion, le texte affirme à plusieurs reprises hein, qu'il ne s'agit pas de question de guerre de religion, ni de guerre de communauté. Et quand on parle encore une fois d'union, d'unité nationale, on parle de souveraineté une et indivisible, c'est par rapport au système colonial et tous les Algériens qui vivent sur ce territoire. En aucune façon, il y a de droit qui privilégie telle ou telle communauté ou de religion qui serait placée au centre du système politique qu'on allait mettre en place. Et quand on parle d'Afrique du Nord, on appelle aussi à l'union de l'Afrique du Nord, le mot arabe ni musulman ne figure pas dans l'unité qu'on veut réaliser à travers le mouvement des libérations nationales
des trois pays tunisiens, algériens et marocains. Et il est explicitement dit, la révolution algérienne n'est inféodée ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. C'est encore dans, dans le, la plateforme de la Soumate. Alors, le mot berbère est également absent, ou plutôt si, il est cité une seule fois, mais de manière négative, en disant, négativement, bon, je vais vous dire exactement comment il a été cité, il a dit, le texte dit, les colonialistes ont rêvé d'opposer les Algériens en communautés berbères et arabes hostiles. Voilà, c'est, la seule, c'est le seul moment. Et quand il parle de langue arabe, il parle de langue de l'immense majorité des Algériens, mais pas de langue exclusive. Et je crois que le mot arabe doit intervenir deux ou trois fois dans le texte, et jamais pour, dans un sens oppressif. Donc, ce texte, d'ailleurs, posera problème, et le posera problème à partir du moment où la direction du FLN quitte Alger et se retrouve en Tunisie, puis au Caire, et notamment la réunion qui suivra le premier anniversaire de la plateforme de la Soumam, un certain nombre de principes seront remis en question, et le principal inspirateur de cette plateforme de la Soumam sera lui-même liquidé. Monde le sait en décembre 1957. Et quand Fethi Hendib, qui suivait les affaires de près, c'était lui qui était chargé de gérer la révolution algérienne pour Nasser, dans ses mémoires, il consigne quelque chose, son appréciation de la plateforme de la Soumam, il dit avoir vécu ça comme une plaie dans la nation arabe. Et il s'est félicité de l'assassinat de Abd al-Rahman Fethi Hendib. Et quand donc ce qui va être mis en cause, c'est les principes islamiques, alors, qui explicitement vont être réintroduits en 1957, et c'est le rejet de la primauté du politique sur le militaire et de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Donc exit cette parenthèse de la Soumam. Et en 1962, on retrouvera le même mouvement qui a été toujours dominant dans le mouvement national. Ce mouvement national qui a connu une dérive, notamment avec Msali, au moment où il s'est rapproché de Chekib Arslan. Quand il a fui, pour fuir la répression, il s'est réfugié à Genève avec quelques militants de l'étoile nord-africaine, et il s'est retrouvé avec Chekib Arslan. C'est là où les idées pan-arabistes et pan-islamistes l'ont le mieux travaillé, à mon avis. Alors, en 1962, donc, il y a eu un vote, le 12 juin 1963, tout le monde a voté, évidemment, l'arabe, ce que Bordin a dit tout à l'heure, et également l'islam religion d'État, l'arabe langue officielle et l'islam religion d'État. Et cette constitution, cette constitution, le mot amazir ou le mot berbère sera également... 63, c'est l'islam religion de l'État. Ouais, après, ça va changer. Et il y aura la charte d'Alger. Alors, la charte d'Alger se veut un petit peu plus ouverte. On parlera de Massinissa et de Jugurtha, mais toujours pas de berbères. On parlera des serfs des Romains. C'est l'expression consacrée pour parler de la population autochtone. Donc voilà, ce mot est quand même interdit. Et il faudra en fait attendre 1996 pour que le premier texte constitutionnel parle d'amazirité. Pas encore de langue nationale, mais parle le mot amazir sera intégré dans la Constitution. Alors, à partir de 2002, il faut savoir d'abord que cette constitution de 1996 fait suite à l'année de boycott scolaire en Kabylie de 1994. Donc, c'était une réponse. Et en 2002, là aussi, ça a été une réponse à ce qu'on a appelé le printemps noir, et ces Kabyles qui ont été tués, ces jeunes Kabyles qui ont été tués par la gendarmerie, plus d'une centaine de jeunes désarmés ont été tués par les gendarmes, sans que l'on sache exactement. Il y a eu une commission d'enquête, mais qui n'a donné pas grand-chose. Donc,
là, en 2002, Tamazight a été inscrit dans la Constitution comme langue nationale, mais pas officielle. Alors, si on regarde de plus près, c'est un article de 3 bis, là aussi également langue nationale, et on encourage les différentes variantes de Tamazight, alors ce qu'on ne fait pas pour l'arabe, donc on peut trouver ça suspect. Alors, autant pour l'arabe, on dit qu'il y a un seul arabe, l'arabe classique, autant pour Tamazight, allez-y, plus il y a de variantes et mieux ça vaut. L'État soutient Tamazight dans toutes ses variantes. En fait, il n'a rien soutenu du tout, d'ailleurs. Bon. Et par contre, cette fois-ci, c'est vrai, on a eu une constitution qui déclare, qui inscrit Tamazight comme langue officielle. Alors, officielle, effectivement, comme l'a dit Nordin Saadi, de quoi on ne sait pas, parce qu'une langue qui n'est pas langue officielle des institutions de l'État, l'officielle de quoi on se demande. Mais quand même, elle est inscrite comme telle. Et a priori, il n'y a pas eu de pression. Il n'y a pas eu, c'est pas comme en 2002, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de répression. Et on peut se poser la question, pourquoi subitement cet accès de berbérophilie ou d'amazérophilie, surtout quand on sait que Bouteflika a dit à Tizouzou même, de mon vivant, jamais Tamazight ne sera langue officielle. Et quand on sait que le Premier ministre qui a vendu ce projet à la presse, c'est également Hamdou Yahya, et qui a adopté la loi de 1998, qui est la loi qui arabise toute l'Algérie, est tellement arabisante qu'elle est impossible à appliquer, qu'on n'a jamais pu appliquer en fait. Donc quand on voit que c'est le couple Yahya et Bouteflika qui proposent ça, on peut se poser des questions. Et notamment, effectivement, le point qui a été souligné par Nordin Saadi, ce point qui est donc ce caractère officiel de la langue amazigh peut être effacé au détour d'une révision constitutionnelle. Or, ça n'est pas quelque chose qui nécessite des moyens. Inscrire ça comme quelque chose de non révisable, comme on l'a fait pour l'islam, religion de l'État, justement, et l'arabe langue officielle, c'est simplement affirmer une volonté politique. Il n'est pas nécessaire qu'on ait des moyens gigantesques pour affirmer cette volonté politique d'inscrire ça de manière définitive dans la Constitution. Donc le fait qu'on ne l'ait pas fait, ça veut dire que cette volonté politique est absente. Et elle est absente par ailleurs quand effectivement on conditionne cette officialité par l'existence d'une académie et de normes qui seraient adoptées par cette académie de manière à ce que Tamazight puisse jouer le rôle de langue officielle. J'ajoute que dans la Constitution de 1963, on n'avait absolument pas les moyens de faire de l'arabe une langue officielle. Il n'empêche que la Constitution l'a adoptée sans réserve, et mieux que ça. C'est lorsqu'on devait utiliser une autre langue, en l'occurrence le français qui n'est pas nommé, qu'on devait avoir besoin de dérogation. Le texte dit exactement le contraire de ce qu'il affirme pour Tamazight. Donc, quand on veut affirmer un principe, et là, en l'occurrence, on a voulu l'affirmer, ils se sont donné les moyens. Et là, on se pose la question de la volonté. Alors moi, j'ai des hypothèses par rapport à ça. D'abord, il faut savoir que l'arabisation a fait son chemin et qu'il y a eu des débats qui ont opposé parfois les tenants de cette arabisation, mais qui n'étaient pas d'accord sur les moyens, pas d'accord sur la méthode. Et il y a, dans un conseil de ministres mémorable, en tout cas c'est rapporté en particulier par Gilbert Grand-Guillaume, dans son livre sur l'arabisation, qui a opposé l'Ashraf à Ahmed Taleb. L'Ashraf demandait à ce qu'on adopte un processus un peu plus rationnel dans l'arabisation. Ahmed Taleb n'était pas d'accord. Et on lui a dit, si on arabise à tout va comme ceci, ça va être la ruine, on va dans le précipice. Ahmed Taleb a dit, je sais, ça ne marchera pas, mais je veux qu'on atteigne un point de non-retour. Donc, c'est une volonté politique clairement affirmée et clairement assumée. Et je pense que peut-être qu'il y a un peu de ça, qu'un certain nombre d'idéologues considèrent aujourd'hui que ce point de non-retour est atteint et qu'on ne doit pas refaire l'erreur qui a été faite en 1980
qui a consisté à interdire une conférence sur la poésie kabyle ancienne et dont les conséquences ont été un million de fois plus importantes, mais à l'opposé que cette interdiction des livres. Donc c'est, au lieu d'interdire, laissons faire, mettons en place une thérapie d'accompagnement, les carottes sont cuites, donc voilà, l'essentiel c'est qu'en fait rien ne se passe. Rien ne se passe, mais ce n'est pas la peine de se livrer à des provocations qui risquent de produire des effets absolument opposés. Pourquoi beaucoup de gens pensent ça? Par exemple, le monolinguisme berbérophone, on sait aujourd'hui, il y a des études qu'ils ont faites dans ce sens, va disparaître à horizon très rapproché d'ici une quinzaine d'années, et que le bilinguisme a été l'antichambre de la disparition de la langue berbère. Que vous reprenez les études d'Edmond Douté en particulier qu'il a faites au début du siècle dernier, vous allez voir que l'Alma est une ville où on parle berbère dans une grande proportion. Mascara est une ville en partie berbérophone, etc., etc. Et que le bilinguisme, d'abord, s'établit, et ensuite, le berbère disparaît. Et au jour d'aujourd'hui, vu l'organisation de la société, il n'y a pratiquement aucun espace où le berbère est parlé de manière unique. Donc, c'est toute l'Algérie berbérophone est aujourd'hui une Algérie bilingue. Il y a encore des monolingues, certaines vieilles dames, où moi par exemple, je parle français et je parle berbère. Mais si on considère que le français n'entre pas en ligne de compte, effectivement, mais des gens de mon espèce, donc, vont à terme disparaître. Et je pense qu'il y a en partie ce calcul dans quand on a fait ce type de concession, surtout qu'on a conditionné cette concession par cette fameuse loi organique, qui ne va sans doute pas venir un jour de sitôt. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au Maroc. Le Maroc a fait de l'amazigh une langue officielle de l'État, par contre. Ils ont été plus clairs que les Algériens. Mais la loi organique, ça fait 5 ans, elle n'est toujours pas venue. Le gouvernement arrive au terme de son mandat. Ils sont en train de se bousculer pour essayer de faire quelque chose. Et avant la fin de... avant la fin de leur mandat. Alors, ta question donc est à mon avis extrêmement pertinente, surtout que l'académie qu'on veut mettre en place, qui est l'académie, quand on conditionne par exemple ta mazirte au caractère avec lequel on va la transcrire, cette prise en charge officielle, ça en dit long sur toutes ces reconnaissances conditionnelles. Et quand on lit les propos de ceux qui se présentent comme des candidats putatifs à la présidence de cette académie, ils veulent beaucoup de pouvoir pour normer, introduire des normes pour cette langue dans l'écriture, etc. On a l'impression qu'ils découvrent des choses. Des choses, il y a aujourd'hui une grammaire et le berbère s'écrit suivant une orthographe parfaitement claire, et la norme existe. Hein. La seule chose que cette académie devrait faire, si elle veut agir de manière positive, c'est de se conformer à la norme, et pas d'inventer une norme qui serait complètement négative et destructrice de ce qui existe déjà. Donc, est-ce que malgré tout, alors je terminerai par cette note peut-être positive, en dépit de tout ce que je viens de dire, je pense malgré tout que cet aspect de langue officielle peut aussi servir de levier pour faire avancer les choses si on s'en sert bien. Merci Hand. Alors, je voulais ajouter peut-être quelque chose avant de donner la parole à nos amis qui sont là. Oui, non, il y a une question fondamentale. Par rapport à ce que vient d'affirmer, par laquelle Han termine, c'est que finalement, lorsqu'on regarde de près cette question-là, de
l'officialisation du berbère dans la constitution algérienne. C'est un peu comme lorsqu'on regarde le verre, est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein. D'un côté, si on se plaçait dans la situation de toutes les personnes, tu en fais partie, hein, pas moi, mais toutes les personnes, peut-être qu'il y en a ici, ou en tout cas en Algérie, qui ont longtemps combattu pour la reconnaissance officielle de la langue berbère. Mais c'est une victoire extraordinaire. Qu'est-ce qu'auraient imaginé les personnes qui, dans les années 70, 80, etc., ou même les jeunes du printemps berbère, etc., auraient imaginé de ce qu'est devenue cette question dans la Constitution. C'est effectivement quelque chose qui peut paraître très positif. Et en même temps, on s'aperçoit que c'est un pouvoir qui va jouer avec cette question de telle manière à tenir compte d'un rapport de force et en même temps à le faire obvier, comme on dit, c'est-à-dire le faire bouger comme ça, pour empêcher que ça puisse se réaliser. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que reconnaissance officielle, oui, également, le berbère est également, mais ça n'a aucune conséquence sur le plan juridique. Donc sur le plan des faits. J'ai regardé un peu ce qui se passe dans le monde, grosso modo. D'abord, ce sont les pays qui ont qui sont multilinguistes, si vous voulez, dans lesquels se pose cette question. Pourtant, il y a des pays comme la France qui n'ont jamais eu de problème à considérer que le français est la langue de France et qui pourtant l'a constitutionnalisée en 1992 avec ce qu'on appelait la loi Toubon, etc. Pourquoi ? Parce que voilà, c'était le moment où on considérait qu'on commençait à avoir un peu trop d'enseignes en anglais, etc., etc. Et donc on a décidé que le français était la langue de France. Ce qui fait rire tout le monde, parce que ça on le savait. Mais il y a d'autres pays, l'Irlande, la Suisse, la Belgique, qui a trois langues, le Canada, il y a même le Mali, comme pays voisin, qui pose ces questions-là, dans la mesure où, effectivement, ce sont des pays qui sont traversés par plusieurs langues. Et donc, il faut essayer de comprendre, et je termine, par là, quelle est la signification pratique de l'officialité. On veut officialiser la langue berbère, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence ? La conséquence, c'est que si l'on voit comment les langues sont officielles dans les pays qui les ont officialisées, ce sont des conséquences énormes. Ça signifie tout simplement qu'à partir du moment où ces langues sont les langues officielles, un citoyen peut demander à l'État que ce soit dans sa langue qu'on lui fasse réponse administrative. Un député peut aller s'exprimer dans la tribune du Parlement national dans la langue qu'il désire parmi celles qui sont officialisées, etc., etc., etc. Et donc, on est dans cette situation où le pouvoir avance sur cette question de l'officialisation formellement, en sachant bien qu'il ne va pas la réaliser, et peut-être qu'il ne peut même pas la réaliser dans les conditions. C'est pour ça, mon sentiment, personnel contre en passant, c'est que cette question n'aurait de solution qu'en lien avec réellement la réalisation de la question démocratique en Algérie. C'est quand les Algériens se mettront tous ensemble autour d'une table, dans une assemblée constituante, pour discuter de cette question qui est complexe et qui peut voir un certain nombre de contradictions, que l'on pourra arriver à un compromis par lequel on formule qu'effectivement, nous avons deux langues officielles et nationales, l'arabe et le berbère. Et je crois que c'est la seule façon d'avancer, parce que attendre que ce soit réalisé par un pouvoir d'en haut à qui on va exprimer des revendications à chaque fois, on aboutira finalement aux mêmes situations, même si ça peut aller encore plus loin. Le problème, c'est comment rendre adéquat, c'est mon mot, je termine, la situation réelle
linguistique de l'Algérie avec la situation officielle telle que peut le proclamer la Constitution. Et il faut avoir évidemment les yeux ouverts pour savoir que c'est un pays plurilinguistique. Quand on définit le berbère comme langue nationale et officielle, on ne définit pas l'arabe, on ne définit pas le berbère, pardon, et comme étant la langue exclusive de l'Algérie. On ne peut plus avoir de langue exclusive, l'histoire a tranché autrement. Et le problème, c'est aussi de réintroduire un certain nombre de langues qui sont complètement bafouées, dont la langue dominante, sociologiquement, c'est-à-dire celle qui est le plus pratiquée par le maximum de locuteurs, et qui est l'arabe parlé. Au nom de quoi l'arabe parlé n'aurait pas un statut de langue ? Voilà une question. Autre question, c'est au nom de quoi le français serait toujours la langue étrangère, alors qu'hypocritement, nous savons que vraiment c'est une langue qui se pratique. D'ailleurs, un linguiste a essayé de montrer, et je crois que c'est à juste titre, que dans la compétition des langues, souvent, c'est le présentoir qui définit le rapport de force. Qu'est-ce que c'est que le présentoir ? C'est par exemple quand tous les journaux sont affichés là où nous passons acheter nos journaux du matin et on s'aperçoit que plus de 60% des journaux sont francophones parce que les gens qui les achètent ainsi. Et donc il faut aller vers ces réalités parce que je crois que c'est la seule vérité que l'on puisse défendre. Voilà. Merci Nuno. Je vais vous donner la parole. Qu'il y aura beaucoup de réactions, mais je voulais juste ajouter à cette histoire de langue étrangère. Effectivement, à la télévision, on parlait toujours quand quelqu'un parlait en français, on disait la langue étrangère, mais on disait jamais l'arabe aussi. On disait la langue nationale. On disait pas parle en arabe, on dit tkellem bellogha alwatania. Voilà. Oui, alors, on va prendre des séries de questions. Est-ce qu'il y a un micro ? Oui. Commence par les filles. Commence par Selma. Alors, bonsoir à tous. Vraiment exceptionnel pour moi comme conférence parce que c'est très complémentaire, en fait les deux sont vraiment très complémentaires. Ma question dans un premier temps est à Nuno. Tu as dit donc, enfin c'est vraiment pour moi une interrogation par rapport à tout ce que... Nuno c'est moi. Nuno, oui pardon, Nuno Ding Saadi. Tu peux. Nuno pour les autres. Ce que je n'ai pas compris, c'est que au début de ton intervention, tu disais que la constitutionnalisation de Tamazight n'est pas une demande populaire. Je pense que tu te plaçais du point de vue du juriste, parce que Hel, dans son intervention, tout du long, a expliqué exactement le contraire, c'est-à-dire que la lutte pour l'identité amazigh est très 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 ancienne, ne serait-ce que depuis 80, ça fait 36 ans. Si on remonte beaucoup plus loin avec la lutte, notamment dans le cadre du mouvement national, ça remonte au moins à 49. Et que cette demande est une émanation populaire, dans le sens où voilà, depuis 49, 80, 2001, avec son lot de morts. Donc il y a une vraie demande, une vraie volonté populaire que cette langue soit officielle, et elle a été nationale par des coups de pression de la part de la Kabylie. Est-ce que toi, tu te situes du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'il faut, comme le disait Bouteflika, à un moment donné, elle ne sera jamais langue nationale sans référendum. Est-ce que c'est ça que tu entends quand tu dis que ce n'est pas une émanation populaire ? Moi, à mon sens, peu importe, on connaît le pouvoir algérien, vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure, les hold-up constitutionnels et institutionnels depuis 63, c'est les uns derrière les autres. Mais je pense que pour les militants que nous sommes, parce que je m'inclus dedans, même si je suis très, très, très jeune dans la lutte, pour moi c'est une véritable victoire politique, justement parce que tout à l'heure Hend a souligné par rapport à un Bouteflika qui avait en 99 haut et fort dit qu'elle ne sera jamais langue officielle sans référendum.
Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, en dehors en effet de tous les calculs politiques, on les voit, hein, tout à l'heure a posé la question et s'enchaînerait sur lui. Tous les deux, vous avez dit qu'il y a peut-être des choses derrière, parce qu'on soupçonne toujours le pouvoir algérien. Je pense par contre, je te demanderai d'abréger, s'il te plaît. Laissez aux autres un peu la parole. Très bien, très bien. Pour Had, du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, toutes les tractations, peut-être de se poser la question par rapport à ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas parce que le pouvoir algérien a accordé la constitutionnalisation sans qu'elle ait été demandée. On le voit aujourd'hui, des tractations, notamment au niveau de la Kabylie, des mouvements qu'on ne comprend pas. Je pense qu'il y a de cela, mais je n'ai pas l'explication. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le militant que tu es, depuis les années 80, voire avant, est-ce que justement il n'est pas temps de profiter de cette brèche pour faire un bilan de toutes ces années qui viennent de passer et pour arrêter de finalement de réagir et d'agir pour faire avancer la cause et que même si c'est un calcul politique, que la Mazière se sorte grandie de ce combat. Merci. Merci. Le jeune homme, là, c'est le premier à avoir demandé la parole. Là. Bonsoir tout le monde. Alors, je pense que l'article mentionnant l'officialisation de Tanazir n'aurait jamais figuré, connaissant le pouvoir algérien qui est dans sa nature, qui est dans son rôle, n'aurait jamais figuré s'il n'y avait pas une acceptabilité sociale au préalable. D'ailleurs même, ça peut étonner les uns comme ça peut étonner les autres, d'ailleurs même Saïd Danier avait parlé de l'officialisation de Tanazir deux ans avant, en 2014. C'est-à-dire que en Algérie, il y a des régions en Algérie qui refusaient cette idée. Mais grâce au militantisme, grâce à la vulgarisation, grâce à l'apprentissage, des Algériens en plus grand nombre ont commencé à accepter cette idée d'officialisation. Et là, le pouvoir ne pouvait pas faire autrement. Et même les islamistes aujourd'hui, acceptent l'idée d'officialisation de Tanazir. D'ailleurs, même le rapprochement, enfin je dirais pas le rapprochement, mais en tout cas la démarche de la CNTD, c'est-à-dire le RCD avec le MSP, elle a été, c'est pas un jugement, comme c'est pas une remarque, elle a été positive pour l'officialisation de Tanazir dans ce sillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MSP, le Hamas ou les Nahda ne peuvent pas dire que non, on refuse le Tanazir. C'est-à-dire que c'est un fait accompli. Je dirais que le pouvoir algérien qui est dans sa nature, qui trouve toujours des subterfuges, c'est pour ça qu'il y a cet élément de langue officielle également, avec cette idée d'académie. D'ailleurs, l'académie, il ne précise pas que si elle est indépendante ou pas, parce qu'il faut qu'elle soit indépendante, sinon ça ne sert à rien. Mais je pense que c'est ni une victoire, ni une défaite. Je pense que c'est un acquis à promouvoir, à fortifier. C'est ça. Et moi, je pense que le militantisme de tous les militants, tous les acteurs associatifs pour la question de Tanazir, on voit ses fruits aujourd'hui, même si le pouvoir a trouvé des... Vous jouez au malin, mais il y a des fruits. Maintenant, concernant justement la deuxième partie de la conférence, en parlant de principes islamiques dans l'appel du 1er novembre, moi je pense qu'il faudrait... Enfin, il faut contextualiser. C'est-à-dire, principe islamique dans l'appel du 1er novembre, ça ne veut pas dire la charia comme c'est appliqué aujourd'hui par Daesh et compagnie. C'est dans le sens de concept humanitaire, de concept universel, c'est-à-dire le respect des voisins, le respect... Enfin, je ne vais pas détailler, mais c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas dans le sens de charia, par les hudud, les châtiments corporels, ou là, dans ce sens. D'ailleurs, même Kerem Khattabi, quand il parle de charia, ce n'est pas dans le sens de Daesh et compagnie. C'est un autre concept, d'ailleurs, qui se rapproche plus du soufisme. Très bien. Et il faut inscrire aussi le rapprochement, l'appel du 1er novembre, au siège du panarabisme et de l'influence de Nasser sur l'influence sur la révolution algérienne. Et c'était par opportunisme, c'est pas péjoratif quand on dit opportunisme, c'est pour avoir un soutien logistique, c'est pour avoir un soutien financier. C'est-à-dire les militants du FN ne pouvaient pas se mettre en porte-à-faux par rapport à d'autres pays qui allaient les soutenir par la suite. Voilà, merci. Il n'y a pas de question. Ah, d'accord. Bon, Alice, bon, puisque tu es... Moi, je vais être très court. Des questions, ça. La question, c'est, ben, alors je vais formuler ça sous forme de question. Parce que, Bruno, comment tu as oublié, dans les différents coups d'État que tu as indiqués,
comment tu as oublié que qu'est-ce qui s'est passé en 62? Moi j'estime, enfin, ne penses-tu pas que l'arrivée de Ben Bella, qui a descendu de l'avion à Tunis en disant nous sommes tous des Arabes, nous sommes tous des Arabes, nous sommes tous des Arabes, et qui après s'est appuyé sur l'armée pour arriver en triomphateur à Alger, est-ce que tu appelles ça légitimité? Première question. Voilà, je sais. Alors, que... très vite, parce qu'on a le problème avec toi là. Je ne pouvais pas évoquer qu'en 62, lorsque Ben Bella débarque comme ça, au port d'Oran, là, que ce fut un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, au sens juridique, c'est lorsque un pouvoir de fait prend le pouvoir par rapport à un pouvoir de droit. En 62, il y avait une question de légitimité. Qui était le plus légitime à assurer la transition de l'Algérie? Ça nous conduit à autre chose. C'est un autre débat, quoi. C'est non, c'est pas un autre débat, parce que ça prouve que quelque chose est inscrit déjà. Oui, non, mais je veux dire, c'est un autre débat par rapport à notre question de la Constitution. En 62, il n'y avait pas de Constitution algérienne, moi, je ne sais pas. Je vais vous mettre d'accord, c'est pas un coup d'État, c'est un coup de force, quand même. Disons que c'est un jeune homme, là. Non, mais attends, j'ai une autre question. Ah, d'accord, ok. Parce que, effectivement, moi, je me souviens, il y a encore très peu de temps, où des personnes élevées à l'école algérienne, des plus jeunes, très, très formées, etc., arrivaient à dire, ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps que, quand même, ils avaient été intoxiqués. Ah non, mais le tamazir, c'est un dialecte. C'est-à-dire qu'ils avaient été formés à l'école algérienne avec l'idée, à Alger, hein, des super diplômés, que le tamazight est un dialecte. Alors moi, je partage, me semble-t-il, ce que vous dites, qui est à la fois assez pessimiste quand même, parce que est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement à partir du moment où l'arabisation s'est étendu partout de façon quasiment obligatoire, créant parfois des analphabètes, excusez-moi de dire, que, en toutes les langues, que l'État algérien s'est dit bon, ben, on va composer avec ça, en sachant que, mais que ça y est, que le tour est joué, que de toute façon, tout le monde aura comme langue quasiment unique, parce que le français se perd aussi en Algérie, comme langue unique. L'arabe. Voilà, c'est une question que je pose. Et moi, je dirais que j'étais pour mettre la église en Algérie. Alors, le jeune homme, puis après, on va faire une première série de réponses. Et le jeune homme là-bas, parce que ça fait un moment qu'il demande la parole. Il faut être juste, au moins un peu. ريسبكتيو احمد سعدي تطاسي بورن يتفنك التمازيغ تو لساسي تو الوقعه على العاب يعني اوثر الصالي غادي ليا معنا اوغورا مقران لكن سينا دار مولود سكوذ مازال ثسرثيث وثلاثه اللي فسن ناغيري مولان ناغيري فسن النا ثلاثي درس ثلاث تمسليت اسكن كان كنيا تربيث وثمرث. Je voulais demander à Nordin Saadi de traduire, mais je crois que ça ne marche pas. Bon, on va faire une série de... On va répondre aux premières questions, et ensuite, je vous redonne la parole. Allez, très vite, rapidement, pour permettre d'autres discussions. Selma, je suis absolument d'accord avec toi. Je dis absolument parce que d'abord, je me serais mal fait comprendre si toi, tu aurais compris que j'aurais dit que Tamazight ne correspondait pas à une demande populaire. C'est absolument pas ce que je disais. Je disais simplement que dans ce pays, depuis la première constitution de 63, les constitutions ont été ce qu'on appelle des octrois constitutionnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas correspondu à une expression de demande populaire dans une assemblée constituante, mais c'est le pouvoir qui synthétise tout et qui dit voilà, c'est ce que je vous propose. En fait, c'est ce que je dispose.
puisque les parlements sont à leur... voilà. C'est tout ce que je voulais dire par là. Ok ? Voilà. Maintenant, il y a une question importante que pose Alice, et je crois que tu as entièrement raison. Je ne parle pas du coup de force, on est d'accord. Hein. Non, mais parce que c'est la génération qui oublie toujours ça. Ma génération, elle est sympathique, la Kaina. C'est ce rapport entre langue et dialecte. C'est un vieux fond de la linguistique. C'est-à-dire, de la même manière que l'on dit qu'est-ce que c'est qu'une religion, c'est une secte qui a triomphé, de la même manière, qu'est-ce que c'est qu'une langue, c'est un dialecte qui a triomphé. Et cette notion de dialecte comme minorisation a toujours correspondu, si tu veux, à cette façon par laquelle on veut minoriser, exclure, diminuer, etc., une langue. C'est le seul, c'est le seul critère. Et on le fait, on l'a fait évidemment du berbère, du kabyle, etc. Comme on le fait tout à fait de la langue arabe parlée. On dit c'est un dialecte. Au nom de quoi ce serait un dialecte? Les linguistes montrent qu'au contraire, c'est une langue avec ses structures, etc., etc. Je finis sur optimiste, pessimiste, etc. Il y a une histoire d'abord que j'aime qui est très intéressante, sympathique. Mais vous étiez bien jeune. C'était dans les années 65-66, il y avait... comment s'appelle cette femme qui écrit là maintenant qui a écrit sur les femmes? Fadela Mrabat. Elle avait une émission. Elle avait une émission sur les femmes. Enfin, moi, j'étais un peu jeune, j'écoutais ça. Et puis à un moment, elle interroge des gens, quoi, comme ça, elle interroge une dactylo. Elle lui dit au bout de l'entretien, mais finalement, vous êtes optimiste, madame. Mais elle lui dit, je ne suis pas optimiste, je suis dactylo. Alors, je veux dire par là qu'on n'est pas dans la question de l'optimisme ou du pessimisme. On est dans la question du principe de réalité. Oui, c'est une avance doctrinale. Oui, c'est une avance juridique, etc. Mais sa réalisation nécessite beaucoup de vigilance pour son accomplissement. Et en même temps, de réflexion qui, aujourd'hui, me semble-t-il, doit dépasser simplement le caractère militant pour devenir une réflexion dans ce que ça a de plus opératoire. Aujourd'hui, par exemple, enseigner le berbère dans les écoles en Algérie, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Faut-il désirer et vouloir, et donc le programmer, qu'il soit enseigné dans toutes les écoles d'Algérie, telles qu'elles soient, y compris à Sidi Belabès ou je ne sais où, ou faut-il penser à quelque chose qui, sur le plan opérationnel, parce qu'il faut être intelligent, dans toutes ces situations de changement du monde, correspondrait, je ne fais que poser la question, à un système d'enseignement qui reposerait sur un fédéralisme linguistique. Est-ce que c'est ça qui serait fondamental? Et je pense que toutes ces questions devraient être aujourd'hui réfléchies. Hein, voilà. Mais on ne peut les réfléchir qu'après avoir accepté et imposé tous ensemble que Tamazight soit évidemment une langue nationale comme l'autre. Hent, il y a des questions qui t'étaient adressées aussi. Il y a سكان بلاد الامكان ولاد وزميرة نض معوية سكان الامكان يسمى كسن كوني اشتاقيا زمزول تين غاس تسرثي تفع عفوس كان نيجي غلنا ذا شو عن ثلاي وتسرثي تسرثي تلحكم يعني ودافو لا تسرثي النظام يعني اللي مغناسا تينا يقريفا سنغيتنا تينا غريس سورون سادم. Il a qu'un azul, il a qu'un khadim, il a qu'un azul, il a qu'un azul, il a qu'un azul, il a qu'un azul,
voulais jouer l'artiste, oui. يعني رويا تصقني وإيش قرأت مقلفة رزق الله فين يعني ذي مكنة الكيني ولا تم سألت جي مكنة تم زيارة توصيف نزمر أدنويس نزمر أثناء حرص أدنويس يعني قارن تبع كده برد بوس وانت جالك كان كم سوق نيسنا بلا أمس ولكن ذا الشيء مش طاح يلا ما بتفي مزير تجيم كيني شو كبر مازال خلاص كنيسة قارة كنيسة قارة مهم جدا. Je vais quand même traduire ce que je viens de répondre. En gros, la question de notre ami qui m'était adressée rejoignait tout à fait ce que Nordine Saadi a dit en disant que c'était intimement lié à la question démocratique. Notre ami demandait, disait, si nous n'avons aucun pouvoir de décision, comment voulez-vous faire appliquer si la décision politique nous échappe? Donc il faut se réapproprier la décision politique pour pouvoir influer dans le bon sens dans ce domaine. Tant que la décision politique nous échappe, le problème est évidemment ne risque pas de se résoudre par lui-même quand on connaît la nature politique de ce pouvoir. Alors, je voudrais dire, Nordine a, et notamment sur la question d'Alice aussi, sur cette question de dialecte, ça nous a longtemps perturbé, cette affaire de dialecte, de langue, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, le mouvement culturel amazigh en particulier, a beaucoup travaillé là-dessus. On s'est intéressé à toutes les constitutions de tous les pays où ces questions de pluralisme linguistique se sont posées. On s'est intéressé aussi à l'évolution des langues. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Montaigne, quand il écrivait, tu dois le savoir mieux que moi, Montaigne, quand il écrivait au début, le français s'appelait le vulgaire. Parce que par rapport au latin, qui était la langue des sciences, il n'y a pas si longtemps que ça, moi les écrits en mathématiques, les gens écrivaient en latin, pas en français. Jamais, quand il s'agissait de communication scientifique, on écrivait en français, qui était la langue vulgaire. Et d'ailleurs, Montaigne a dit, c'est parce que je ne prétends pas écrire une grande œuvre que j'écris dans la langue vulgaire. Je ne prétends pas faire œuvre scientifique. Bon, donc, c'est une affaire, effectivement, il y a Louis-Jean Calvé qui a écrit un livre excellent là-dessus. L'anglais que l'on prend aujourd'hui pour la langue de la science par excellence a elle-même été sous la botte du français. Il a pris des exemples très pédagogiques. Vous prenez un certain nombre d'animaux, comme par exemple le bœuf, ox, et puis bif. Quand c'est de la viande qu'on a dans l'assiette de l'aristocrate, ça s'appelle bif, qui vient du mot français. Mais quand c'est le bœuf que garde le berger, c'est ox, qui est le mot anglo-saxon. Ça dénote tout à fait le rapport des langues et comment ce rapport peut changer, justement, à la faveur, non pas, c'est pas les langues qui ont changé d'ADN, c'est le pouvoir politique. L'exemple de bœuf, c'est pareil. Pork, pig, mutton, sheep, etc. Donc on peut multiplier. Et nous-mêmes, moi-même, j'ai écrit un livre de mathématiques un peu comme ça, pour dire qu'on peut faire des choses scientifiques en berbère. Je l'ai fait, la preuve, c'est que c'est possible. Donc, il y a celui qui m'a inspiré, c'est un Sénégalais qui a écrit un traité de vocabulaire en Wolof. donc, ça n'est absolument pas une affaire de langue, c'est ça, tout est affaire de pouvoir politique. Et un linguiste, effectivement, disait, une langue nationale, c'est une langue qui a une police et une armée. Voilà, c'est un dialecte qui a une police et une armée. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on a répondu sur le fond. Et réellement, les gens commencent à écrire en tamazight et on voit que les problèmes ne sont pas du tout de ce côté-là. Par contre, il faut une grande production culturelle pour arriver à beaucoup de littérature, et ça, c'est une autre affaire. Je reviens à cette question d'arabe parlé et de tamazight, qui est un peu le serpent de mer qui réapparaît de temps en temps. Je ne crois pas, là je vais peut-être choquer, que le problème soit similaire. Et je vais m'en expliquer. La langue tamazight, alors peu importe dans sa version idéalisée, standardisée, ou dans sa version courante, parlée, est revendiquée par les berbérophones dans leur majorité aujourd'hui. Ça n'est pas le cas de l'arabe parlé. Moi, je me souviens,
en 1980, toutes nos revendications, absolument toutes, je défie quiconque de trouver une revendication du mouvement de 80 où il n'y avait pas reconnaissance des langues populaires arabes et berbères, les deux en même temps. Il se trouve que cette revendication n'a eu aucun écho en dehors des espaces berbérophones, absolument aucun, si ce n'est le groupe qui avait autour de Kate Biassim, à qui nous devons beaucoup par ailleurs. Mais donc ça n'est pas, à mon avis, comparable. Et j'en ai parlé, même quand il s'est agi des langues de France, on a parlé de cette affaire d'arabe populaire, et un des responsables du ministère de la Culture nous a dit la chose suivante: parler d'arabe dialectal, si vous voulez, un soulèvement dans les banlieues. Parce que les arabophobes, pour une raison peut-être d'aliénation, tout ce qu'on voudra, je ne rentre pas dans ces considérations, ne revendiquent pas l'arabe dialectal, et même rejettent vigoureusement. Je suis bien placé pour le dire, parce que j'ai essayé, effectivement, de trouver des alliés pour cette revendication linguistique auprès d'arabophones, et ça n'a, de manière significative, au niveau social, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Et le seul contre-exemple, c'est l'exemple de Kate Biassim, qui effectivement a fait du théâtre en arabe populaire, et lui, qui par ailleurs a revendiqué Tamazirt dans les termes que nous savons, et nous savons aussi ce qu'il a essuyé comme réponse. La question du... Je n'ai pas dit que la plateforme, que l'appel du 1er novembre était effectivement un texte islamiste. Je n'ai pas dit ça, ni Inch'Allah. Mais quand même, c'est vrai que les principes islamiques, c'est un peu ambigu. Et d'ailleurs, les islamistes l'opposent à la plateforme de la Soumam. Très clairement, le mouvement islamique ne veut pas entendre parler du congrès de la Soumam, alors qu'a priori, c'est un texte qui a été au moins commenté, discuté, tandis que le texte du 1er novembre, on connaît le nom du journaliste qui a écrit ça, Boudiaf, c'est un texte écrit en petit comité. C'était surtout la démarche de la lutte armée qui était attendue. C'est pour ça que les gens ont adhéré. Le texte en lui-même, peu de gens l'ont lu, en fait. Peu de gens l'ont lu, sinon, on ne peut pas dire personne. Par contre, c'est le fait qu'on passe à l'action qui était important. Dans le 1er novembre, c'est surtout ça. Mais ces principes islamiques ont été utilisés idéologiquement pour dire, voilà, il faut revenir à une charia par des islamistes. Donc ça prouve qu'il est dangereux, même si on ne veut pas instaurer une charia, d'utiliser des termes comme ça dans des textes qu'on l'on veut fondateurs. Excuse-moi, mais s'il n'y avait pas eu la plateforme de la Soumam, la révolution algérienne n'aurait pas eu lieu. C'est elle qui a permis ça. Non, absolument. Par ailleurs, c'est vrai que c'est un pas normal. Ce serait, s'il n'y avait pas eu la plateforme de la Soumam et le regroupement de toutes les forces polygones, un pas normal, ce serait fini en jacquerie. Et d'ailleurs, en lisant la plateforme de la Soumam, on le comprend très bien. Et quand il dit, quand on écrit que la révolution algérienne n'est pas une crise sans lendemain, c'est une révolution qui est structurée politiquement, etc., etc. Donc on redoutait effectivement cet aspect-là, surtout avec les maquis du MNA qui tiraient dans un sens et tout le monde. Ça, c'est la Soumam a quand même fait l'unité des forces nationalistes. Alors je dirais pour introduire un bémol à propos de la Soumam. Le seul courant nationaliste qui n'a pas été associé, ça a été les berbéristes, quand même. Les berbéristes, absolument, on a mieux fait que ça, on les a condamnés à mort dans un texte de la Soumam. Voilà, deux mots. Ensuite, on va reprendre une série de questions, et je vous demanderai d'être bref, parce qu'on doit un moment ou un autre arrêter cette soirée. Voilà. Deux petits mots, simplement, sur une question qu'on... Pardon. Je peux deux petits mots sur une question qu'on ne réglera pas aujourd'hui, mais qui mérite quand même d'être pointée. C'est cette question que Hind évoque, qui est la question de l'arabe parlé. Est-ce que l'arabe parlé peut être considéré comme équivalent au statut du berbère par rapport à cette problématique des langues? Ce n'est pas du tout ce que je disais. Je disais simplement que face à l'arabe classique qui s'est imposé comme déontique, comme ça depuis l'indépendance, etc.,
il y a un arabe parlé qui nécessite d'avoir un statut linguistique de manière à permettre sa pratique, de la même manière que Han lui-même m'explique, enfin m'expliquait comme ça par ailleurs, hier, comme ça dans une discussion, qui s'est trouvé une fois devant un tribunal, pour de bonnes raisons, hein, c'était pour les droits de l'homme, hein, face à un juge qui lui pose comme ça une question, et il dit, mais je te jure, je ne comprenais absolument pas la question. Il a fallu que quelqu'un à côté de moi, son frère, quoi, lui dise, mais il demande ton nom. Voilà. De la même manière qu'il faut savoir que devant les tribunaux ou devant toute expression sociale, et il y en a de plus en plus différentes comme ça, il y a des tas de gens qui, par rapport à l'arabe classique, n'y comprennent rien, qui veulent parler leur langue. Prenez le cas du journal télévisé. Enfin, la majorité des Algériens ne le comprennent pas, ils n'en ont rien à foutre, vous me direz, pour d'autres raisons. Mais, et donc, il faut bien donner un statut à cette langue de manière à ce qu'elle soit acceptée, etc. Alors, je finis sur ça. Le problème de l'arabe parlé, c'est que souvent, on a considéré que son érection durant la colonisation comme seconde langue dans les lycées conduisait à en faire une langue de la colonisation, ce qui est une aberration complètement folle. C'est l'arabe que parlent les Algériens, quoi. Un certain nombre d'Algériens, je dis, tout simplement, voilà. Alors, on commence par Aïcha, là, qui s'impatiente. Hein. Pas du tout, tu ne me voyais pas. Je voulais poser une question à Nordine Saadi. D'abord, une première question à Nordine Saadi, c'est par rapport à la comparaison qu'il a pu faire avec d'autres pays. Je voulais savoir en ce qui concerne notre voisin, le Maroc. Donc, ça peut être intéressant parce que, d'abord, ils ont une dimension amazigh qui est importante. Et puis, ils ne sont pas comme l'Algérie, de par son histoire, dans cette définition un peu dans le mode défensif, dans le mode un peu négatif. Je pense que la question d'identité nationale, notamment de langue, en Algérie, c'est un peu ça. On est dans cette démarche-là. Et le Maroc, ça peut être intéressant de savoir comment il a traité, sur le plan de la constitution et sur le plan des institutions, la question amazigh. Et puis les implications pratiques, un peu académie ou pas académie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, comment ça se passe. Ma deuxième question, elle est toute simple par rapport à elle. Je me demandais si dans vos réflexions, vos groupes de réflexion, vous avez songé un moment à écrire en caractère arabe les mots berbères. Le fait d'officialiser Tamazight, on oublie que c'est grâce à la lutte quand même depuis 1926, pour ne pas dire plus avant, jusqu'à maintenant. Donc il y a eu des morts. Donc il faut se poser la question, ce pouvoir qui a accepté d'officialiser, est-ce que ce n'est pas une tactique? À mon avis, je me pose des questions. Deuxième question, si vous voulez. Le fait, évidemment, lui-même, déjà le pouvoir, il nous taxe de dialecte. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour standardiser notre langue berbère, qui est parlée à travers toute l'Afrique du Nord? La moitié de l'Afrique du Nord, c'est la berbérie. Et la troisième question, je crois que j'ai oublié, mais je crois qu'elle va être. Là, ici, le jeune homme, il attend depuis. Je vais faire très court. En fait, M. Hensadou, vous avez parlé tout à l'heure de la restitution des clés, mais je pense que c'est Chirac qui a restitué le sceau de la régence d'Alger. Parce que l'État. Oui, c'est ça. C'est le sceau, c'est pas les clés. Non, c'est le sceau. Donc. En fait, c'est de la régence, c'est-à-dire, en fait, j'insiste sur ça parce que la question que je voulais poser, c'est par rapport
au mythe fondateur de l'État algérien. Enfin, on le situe où? Parce qu'avant l'avènement de la colonisation, l'État algérien n'existait pas. Il n'y avait pas une continuité de l'histoire de l'État algérien. Enfin, la Tunisie, les Tunisiens sont assez fiers de leur passé phénicien, ils le revendiquent juste maintenant. Mais en Algérie, l'Afrique centrale, il n'y a pas une continuité de l'État. Donc on le situe où? Est-ce que c'est dans la Numidie ancienne? Est-ce que c'est dans la régence d'Alger? Est-ce que c'est le royaume médiéval syrique au Moyen-Âge? Ou c'est, on revient à la plateforme de la Soumane, ou peut-être les maires de Kader, comme le définit le discours officiel actuellement. Voilà, c'est la question précise, le mythe fondateur de l'État algérien. Ça, c'est bien. On ne peut pas y répondre. Oui. C'est juste une question pour vous, Nono et Ahl. Avec quel caractère ou avec quelle écriture enseignait Femazir? Elle a été déjà posée, hein? Enfin, de façon différente. Vas-y, on continue, parce que après il n'y aura plus de parole. Hein? Donc, il vaut mieux prendre toutes les questions. Merci, bonjour à tous. Tout à l'heure a évoqué certaines hypothèses concernant la constitutionnalisation de l'État algérien. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un risque de sécession dans le micro, Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un risque de sécession d'Akabudi que le pouvoir a lâché du lest? Question. Oui. Alors, Hossein, je crois, oui, c'est ça. Et oui, la dame là. Tout d'abord, je rejoins ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, en ce qui concerne l'officialisation de la langue berbère, du tamazight. C'est effectivement, je pense, bien sûr, certains peuvent se réjouir effectivement qu'elle soit promue au rang de langue nationale. Toutefois, je pense que c'est une tactique politicienne parce qu'effectivement, d'un point de vue linguistique, ce qui est toléré est finalement, au bout d'un certain temps, assimilé et voué à disparaître. Bon, je ne sais pas si le tamazight finira par disparaître, mais bon, c'est une tactique. Bon, moi, j'ai deux questions à poser d'un point de vue linguistique. Alors, qu'en est-il de la diversité des parlers berbères? Est-ce que le tamazight fédère tous les particularismes, parce que bien évidemment, est-ce que le tamazight regroupe, peut-être compris, appris par des gens du Mzab, ou les Chabouis, ou les Kabyles, ou les groupes appartenant au groupe Kabyles? Et puis, une deuxième question sur le statut du tamazight, est-ce qu'on pourrait rapprocher cette langue du catalan en Espagne? Ou du breton, de l'occitan, du basque en France. Qu'en est-il du statut de cette langue? Est-ce que c'est une langue à part entière ou un dialecte? Alors, Hossein, et puis qui d'autre? Parce que après, il n'y aura plus de. On arrête là. Il reste un quart d'heure, oui. Bon, oui, non, alors juste. Je peux rester un quart d'heure. Alors, je suis une ignorante. Non, je voulais dire. S'il vous plaît, attendez qu'on vous donne la parole, s'il vous plaît, madame. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais raconter en fait deux anecdotes. En 80, j'étais collégien. J'étais à l'université de Wadaïsi. On est parti du collège, donc c'était très. Nous étions très jeunes. Et j'ai trouvé Hund en train de parler. Il parlait avec. Nous étions très jeunes, donc on le voyait comme ça. Il était en quête de la berbérité. Il parlait avec une telle assurance et tout. Chose que je n'ai pas acquis aujourd'hui. Et 30 ans plus tard, ici à Paris, il parle de la même manière, il est en quête de l'identité berbère. Moi aussi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le deuxième postulat que tu as posé à Han, c'est le point de non-retour, je pense, sincèrement, et sociologiquement, il est vérifiable chaque jour. Je suis resté en France 6 ans. Je suis reparti au bout de 6 ans, chez moi, en Kabylie, dans un village quasi perdu. Mes nièces, Kixigalen, je m'adresse au Kabyle ici, Kamit Nstignon, mes nièces, Oran Tsigalen, Haqqa. Non, comment on dit en arabe déjà?
Qasem Billah, qui est comme ça qu'elle jurait 6 ans plus tard. Donc ce point de non-retour, ça veut dire que la restriction géographique, la locution du berbère est aujourd'hui une réalité, mais criante. Il parlait de l'Ulma, aujourd'hui on parle de Merabou, yani, et demain peut-être on parlera de mon village. Et j'ai l'impression que ce soir on est très sage ici. Je pose la question, moi qui suis normalement, je suis un militant pour la démocratie, je suis convaincu que selon les règles démocratiques, l'évolution de ce genre de choses, que l'application de la réalité berbère des trucs en Algérie va trouver son épanouissement. Mais je pose aussi la question, est-ce que ces militants autonomistes qui sont chaque jour nombreux, est-ce que tous ils ont tort? Est-ce que je peux croire, moi, en le Walid Tizi Ouzou qui me dit « Je peux descendre dans la rue manifester le 16 avril pour peu qu'on ne dise pas que le pouvoir est assassin ?» Je me pose toutes ces questions, c'est tout. Merci. Voilà. Alors, madame, et puis on arrête. Madame. Merci. Je suis tout à fait ignorante. Je connais le pays puisque j'y suis née. Mais en dehors de ça, tout ce que j'ai appris, c'est à Paris, dans les bibliothèques. Mais comme en France, il y a eu les Gaulois, les Celtes, et en définitive, il y a eu les Francs, qui venaient de l'extérieur, du Nord, et nous sommes devenus des Français. Bon. Mais en Algérie, il y a eu les Berbères, c'est reconnu. Et ce que je me suis enfoncée ici à prendre à Paris, il n'y a pas d'autres civilisations que d'autres personnes que les berbères. On n'en connaît pas d'autres avant. C'était on les appelle les proto-berbères. Alors pourquoi maintenant toutes ces difficultés dans ce... parce que, excusez-moi, mais tous ceux qui sont venus après, puisqu'il y avait les proto-berbères sur cette terre, tous les autres sont venus en colonisateurs. Excusez-moi de le dire, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette difficulté pour que ces gens-là, ces personnes, soient reconnues au moins à égalité avec ceux qui sont là actuellement? Voilà, c'est tout ce que je... C'est toute la question. Bon, allez, Nono, on va faire des réponses courtes. Ah, madame qui venait d'intervenir, s'il y avait une logique quelconque pour répondre à votre question, on ne serait même pas là de ces questions-là. Oui, malheureusement, c'est plus compliqué. Alors, moi, j'interviens sur 2 ou 3 petites choses. D'abord, une question forte, intéressante et fondamentale sur le mythe fondateur de l'État algérien. Qu'il n'y ait pas eu d'État algérien en 1830, enfin, moi, je le crois. Moi, je crois que ce que l'on a appelé ensuite l'État d'Abdelkader, qui aurait unifié et fondé le pays à partir de quoi on va se rattacher à une antériorité, c'est une construction idéologique qui fait partie de toutes les constructions idéologiques dans tous les pays du monde. On veut créer un mythe fondateur à partir de quoi on existe. Mais quand on regarde déjà la carte de l'Algérie, ben excusez-moi, cette espèce de bonbonne là, qui tire ses trucs partout, bon, elle correspondait à ce qu'étaient les intérêts de la colonisation par rapport à la départementalisation acquise, etc. Voilà, ça, c'est pas un problème. Mais qu'ensuite on se réfère à ce mythe fondateur pour exclure ce qu'a été l'histoire de l'Algérie, ça c'est autre chose. Hein? C'est-à-dire que l'Algérie n'est pas née avec l'invasion arabo-islamique, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est l'enjeu essentiel de... Bien entendu. Et c'est l'enjeu essentiel de tous les débats qui tournent autour de, je pense, hein, de ces questions d'identité, etc. Voilà. L'hypothèse que vous émettez, là, vraiment, oui, c'est intéressant, du fait que le pouvoir aurait concédé cette officialisation de Tamazir,
par devant le risque de sécession, c'est-à-dire le MAC. Hein, voilà. Personnellement, et ce n'est qu'une opinion personnelle, je ne pense pas, pour la raison suivante. C'est que le MAC, pour peu que je sache lire ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent, hein, je suis un observateur, je lis tout ce qui se reproduit à partir de l'Algérie, ce n'est pas sa problématique. Le MAC ne veut pas généraliser la langue berbère à l'Algérie. Ils veulent une sécession. Et dans cette sécession, ils n'ont aucun problème de langue. Puisque chacun sait que là, en Kabylie, on parle kabyle. Mais non, mais le MAC ne revendique plus l'officialisation de Tabazir. Le MAC dit, je n'ai rien à demander. Ben voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et donc, est-ce que le MAC serait parmi les luttes sociales, politiques, etc., un déterminant dans ce qu'ont été le choix du pouvoir d'officialiser Tabazir aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais disons que le MAC gagne en popularité en Algérie quand même. Il gagne en popularité actuellement. C'est ce qu'on dit, oui. D'autant plus que le pouvoir. C'est la réalité. Le gouvernement a tout intérêt justement à éviter le mouvement indépendantiste de. Mais on aurait pu penser aussi le contraire. C'est que la tactique d'un pouvoir serait de laisser se développer ce point de vue d'une possible indépendance de la Kabylie pour ne pas avoir à poser la question de Tabazir pour l'ensemble de l'Algérie. Mais ça n'intéresse pas le gouvernement de. Et pourquoi ça n'intéresse pas l'indépendance à la Kabylie? Ouais, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt. On ne va pas ouvrir un nouveau débat, s'il vous plaît. Non, ce que je veux vous dire, c'est que. Non, pardon, je termine. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on essaye de voir quels sont les déterminants, c'est toujours un peu plus complexe. Ça peut être utilisé dans un sens comme dans l'autre, quoi. Voilà. C'est tout. Maintenant, sur les caractères arabes, je laisse Hind parce qu'il est bien plus compétent que moi. Sur le Maroc aussi, sauf à dire que les Algériens ont pris beaucoup d'exemples sur les Marocains. Ça correspond à la même problématique. Et c'est pas évident qu'au Maroc, on est beaucoup plus avancé que chez nous, d'après ce que j'ai vu. Mais je crois que Hind s'est beaucoup penché sur cette question. Enfin voilà, c'est à lui à répondre à ces questions de caractère arabe ou latin. Comme ça a pu se faire pour des pays comme, on a l'exemple de la Turquie. Mais pourquoi mais arabe, je veux dire d'autres caractères. Oui, non, mais la question est de savoir pourquoi. Enfin, la Turquie. Parce que pourquoi faut-il. Mais pourquoi faut-il arabiser le berbère pour le reconnaître? Non, pas pour le reconnaître. Pas du tout, c'est pas dans l'idée de reconnaissance. Mais simplement dans les modalités de traitement de la langue berbère, est-ce qu'on a songé à écrire, à mettre des caractères arabes? C'est un long débat qui se poursuit. Oui, il va répondre. Je laisse Hind te répondre parce que lui, il a plus de qualité que moi pour te répondre. Oui, allez, Hind. Alors, je vais commencer par cette question de caractère qui ne se pose pas dans l'espace militant de ceux qui militent pour l'émancipation de Tabazir et la prise en charge effective de Tabazir. Les gens qui la posent en général, je ne parle pas de tout, les gens qui la posent en général, ce sont des gens qui s'en souviennent pour plutôt bloquer ça. Il y a de cela plus de 40 ans, j'ai rédigé avec un camarade, un polyglotte qui se trouve à la bibliothèque de l'École pratique des hautes études, sur ces questions d'écriture de berbère. Et à l'époque déjà, on s'était intéressé précisément à l'écriture de l'arabe. Et on a découvert qu'il y avait plus de 260 propositions de modification du caractère arabe à l'Académie arabe d'Égypte. Hein, parce que le caractère arabe posait problème déjà pour l'arabe. Et c'est simplement l'aspect sacré de ce caractère qui a empêché ces réformes d'être prises en compte, donc on les a écartées. Je dis très rapidement,
Par exemple, vous savez que les caractères, il y a ce qu'on appelle l'écriture cursive, il y a un certain nombre de caractères qu'on rattache aux lettres suivantes et pas les autres. Un ra, il coupe le mot en deux. Il y a des gens qui essayaient de répondre à ce type de... Donc le caractère arabe est loin, très loin de répondre, à des questions techniques de Tamazight. J'ajoute à ça que même d'un point de vue phonologique, il y a des phonèmes qui existent en berbère, qui n'existent pas dans le caractère arabe. Ça ne note pas les voyelles, ce qui n'est quand même pas un avantage pour une langue écrite. Donc vraiment, d'un point de vue technique, c'est le dernier choix à faire si l'on veut résoudre les problèmes d'écriture du berbère. On peut se poser à la rigueur la question du tifinagh, qui est l'alphabet autochtone, l'alphabet berbère, donc ça a du sens. On peut se poser la question de l'alphabet latin, parce qu'il y a une pratique qui s'est révélée efficace et dans laquelle a été produit l'essentiel de la production littéraire, scientifique concernant le berbère. Le caractère arabe, dit brutalement, est invoqué pour bloquer l'avancée du berbère. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, s'il s'agit d'unir les Algériens, pourquoi tout le monde n'écrirait pas en tifinagh ? C'est l'alphabet. Ah bah oui, ah bah ça vaut tout à fait, ça vaut tout à fait cette proposition d'écrire le berbère en arabe. Ça vaut au moins ça. L'arabe nous vient d'une province d'Arabie, le tifinagh a au moins le mérite d'être né chez nous. Voilà. Donc ça, retournons aux sources, si vous voulez qu'on retourne aux sources, et qu'on soit unis tous. Comme dirait Feraoun, le peuple algérien, tous unis sous le burnous. Donc voilà. Réellement, c'est le caractère arabe pour transcrire le berbère, ça n'est absolument pas adapté, ça n'est pas la solution. Alors, maintenant la question de notre ami Moussa. Est-ce que le pouvoir, je ne suis pas convaincu que cela procède effectivement de cette peur, je ne sais pas, je m'interroge, moi je pense plutôt qu'il se dit on va les endormir en leur donnant des choses qui de toute façon n'auront aucune incidence concrète, parce qu'on a bien vu dans leur esprit ce que ça voulait dire, comme cette officialisation, Nordin l'a suffisamment expliqué, ça ne prête à aucune conséquence, en tout cas dans leur esprit c'est ça. Par contre ce qui est vrai, c'est que ce type de proposition, évidemment notamment chez les jeunes, rencontre de moins en moins d'écho, et tout ce qui vient du pouvoir déjà est suspect, à juste titre, hein. Et les gens se tournent de plus en plus vers des solutions de type autonomie, voire indépendance, etc., en disant on n'a plus rien à attendre de ce pouvoir. Ça, c'est une réalité effectivement observable, qu'on soit pour ou contre, c'est une autre affaire, hein, mais c'est quelque chose qu'on observe, et cela d'autant plus que les partis traditionnels qui jusque-là prenaient en charge un peu cette question à Mazir, je veux nommer le FFS et le RCD, ont laissé tomber cette question. Il n'y a guère plus que le MAC qui en parle. Donc de fait, oui, il y a de plus en plus, cette idée séduit de plus en plus de jeunes. Ça, je le constate comme toi. Maintenant, est-ce que le pouvoir a fait ça pour ça ? Ça, je suis un peu comme Nordin. À mon avis, moi, j'ai donné mon explication. La diversité culturelle, la diversité dialectale, d'abord, il faut savoir que ça ne concerne pas seulement le berbère. Toutes les langues connaissent une diversité dialectale. C'est un phénomène absolument universel. Y compris pour le français, d'ailleurs, on peut s'en rendre compte en voyageant au Canada. C'est simplement une certaine pratique qui finit par unifier, standardiser une langue à travers la télévision, l'enseignement, etc. Et ce qui va se passer pour le berbère, c'est qu'évidemment, il y a des dialectes plus ou moins proches. Quand je dis dialecte, ça n'a aucune connotation péjorative dans ma bouche. Hein. Des formes linguistiques localisées qui vont s'imposer s'il y a une production suffisamment riche et qui d'ailleurs vont s'imposer, vont s'élargir en se nourrissant également de l'apport des autres parlés. Donc on va de fait arriver à une espèce de mélange. C'est ce qui s'est fait, par exemple, quand Mouloud Mamri a créé un lexique de mots techniques, il s'est
beaucoup inspiré, même si son public était essentiellement kabyle, il s'est beaucoup inspiré des parlers autres que les kabyles, et notamment le Touareg, le Mozambique, le Chéri, etc. Donc c'est à mon avis ce qui va se passer, et puis c'est ce qui s'est passé pour l'italien, hein. C'est Dante qui a fait, après les gens écrivent, et c'est la qualité des productions littéraires, artistiques, qui va faire que cette langue va être adoptée, c'est dans une dynamique de production que les choses vont à mon avis se décider, et pas dans une norme décidée comme ça par une académie. Je ne crois pas du tout à cette mais même s'il faut aller vers effectivement une standardisation, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Le mythe de l'État, bon, on en a parlé, pour moi la réalité algérienne de l'État algérien, elle est liée à la colonisation, ça, il faut être clair. Hein. L'Algérie telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une invention de la colonisation, ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Dans les faits, c'est ça. Après, on a des mythes fondateurs, effectivement, ce qui est classique pour toutes les nations et tous les États. Mais le mot Algérie lui-même, on le date, on sait de quand il date, c'est du 19e siècle, et on connaît l'auteur qui l'a créé pour la première fois. Donc, on sait d'où tout cela vient. Est-ce que la situation que connaît le berbère est comparable à celle que connaît le catalan, le breton, l'occitan, etc. Oui et non. D'abord, je disais que c'était une affaire, que pour un certain nombre d'idéologues, la question était tranchée en ce qui concerne le berbère. Alors, je le disais avec un point d'interrogation, malheureusement pour le breton, les choses sont beaucoup plus abîmées que pour le berbère. Les catalans, c'est autre chose déjà. Hein. Les catalans sont beaucoup plus dynamiques et, à mon avis, il n'y a pas de menace, au moins un horizon prévisible qui pèse sur les catalans. Quant à l'occitan et le breton, les basques aussi, mais pour ce qui est des minorités françaises, les occitans et les bretons, c'est des choses se posent en d'autres termes. Enfin, bon, cela dit, c'est un autre débat. Je terminerai par les questions sur le Maroc. Est-ce que les Marocains ont un point de vue plus apaisé que nous par rapport à cette question identitaire? Je ne suis pas sûr. Peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Il suffit de se souvenir de ce qu'on a appelé le Daïr berbère, qu'on a considéré comme un moment fondateur du nationalisme marocain, pour savoir que non. Je ne vais pas rentrer ouvrir un nouveau débat sur le Daïr berbère, mais les choses étaient au moins, Chekib Arslan a intimé au roi du Maroc de ne pas signer le Daïr sous peine de se voir destitué depuis son bureau de Genève, hein, au nom de l'arabo-islamisme. Hein, et il s'est exécuté d'ailleurs, le roi. Donc c'est absolument pas aussi apaisé que ça. Alors, qu'est-ce que tout ça va devenir? À mon avis, ça va devenir ce que les berbérophones vont faire de cette question de langue, même si je partage un peu l'avis de notre ami, pour dire que l'idée de la masérité comme à avancer dans l'espace algérien, ce n'est plus vu, comme il y a quelque temps, comme une machination des colonialistes jugurthas réinventée par je ne sais qui. Donc cette idée, quand même, les choses, de ce point de vue-là, avancent assez rapidement. Le problème, c'est que le temps est une donnée stratégique. Il y a vraiment une course contre la montre qui se joue sur ce sujet, et toute la question est là. Voilà. Merci. Alors, deux petites annonces, là, deux prochaines activités de l'ACB. Le mercredi 27 avril, donc dans quelques jours, on reçoit Rachid Oulpsir, qui présente trois livres, Les derniers Kabyles, Algérie, le printemps reporté, Durdura, le temps des oliviers. Ce sera une soirée présentée par notre ami Farid Mamri. Et puis, le 4 mai, Mourad Bourboul, Mohamed Benchikou et Hassan Zerouri pour le livre Novembre 54, La faillite démocratique. Et merci.